Alors, on parlait du monde de demain. Un souhait pour demain? Un souhait pour demain. Eh bien, je pense que pour l'Europe, le plus important, c'est de retrouver l'optimisme. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une fin de cycle. Nous avons été une grande civilisation avec évidemment des choses formidables et aussi quelques crimes faits au passage qu'il ne faut pas oublier. Mais bon, nous avons été une grande civilisation. Et donc, le drame aujourd'hui, c'est qu'on est un peu en fin de cycle. Et je pense que tous ces trucs sur la collapsologie, tous ces gens qui nous disent que dans 10 ans, c'est foutu, que de toute façon, la Terre va perdre 3 milliards ou 4 milliards d'êtres humains dans 10 ans, tous ces trucs-là, je pense que ce n'est pas le signe que la Terre est foutue, mais c'est le signe que l'Europe va mal, que l'Europe va mentalement mal. Et donc, je pense que ce qui est très important pour demain, c'est de retrouver l'espoir. Et à la ligne de, comme l'avait dit Jean-Paul II, je parlerai plutôt d'espérance. Je dirais donc, osons l'espérance. Voilà ce que je dirais pour demain.